Donc vous avez les médailles, les coupes, les trophées, des boules match plus de compétition, les petites coupes et des iPhone 6. Voilà. L'équipe d'OGM est attendue au terrain 13 pour jouer contre l'équipe Le Coubaï. Pour le match de consolation, l'équipe d'OGM est attendue au terrain 13 pour jouer contre l'équipe Le Coubaï. Allez, équipe Madagascar est attendue à la table de présurant, s'il vous plaît. Leur adversaire vous attend. Mes joueurs sont avec moi. Victoire de l'équipe Hassin Gajibali contre l'équipe de Akhtar Mirali. Alors, ce jour-là, donc, le 16e de finale, l'équipe de Ferret Toussi contre l'équipe de Hassin Gajibali. Quel boule, c'est ce boule noir? Boule noir, là, quelle est ta casquette, moi? Je vais vous dire que 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 je Te parece el que te na cuacha pre? Manchero na cuacha que bechero. Ah, cuacha. Hajare ro chero kare pa. Hajare ro chero. Inshallah, inshallah. Merci. Inshallah, kuja TV na nazir tamhe joi rahya chho ke apna sathe apna equipe de France Mikhail Damji, Yassir Nourani, Arban, Bhai, il y a une équipe type en France. Mashallah, il y a un 32e, il y a et ils ont perdu contre l'équipe de Madagascar, Daniel Massa, Alec Saleman et Yassine Tox. On va leur poser quelques questions par rapport à leur match. Yassir Bhai, je vais vous donner la parole. Vous avez joué avec eux, vous avez perdu. Comment vous avez trouvé l'équipe qui est en face de vous et quel était votre ressenti par rapport à l'équipe en face? Bon, l'équipe elle était forte en face, ils ont bien joué. Nous, on a bien joué, on a peu fait, enfin, on a fait un peu d'erreurs, fait des calculs. Ouais. Dès le départ, ils ont pris 4 points, ça nous a fait mal au fait dès le départ.
et après on a essayé de rattraper, mais c'est bon, la prochaine fois, Inch'Allah. Bon, après c'est ça la pétanque, hein. Il y a des occasions quand on les saisit pas, voilà, et on n'a pas su saisir ces occasions. Et l'adversaire a vraiment très bien joué. Il n'y a rien à dire, c'est une belle équipe. J'espère qu'ils iront loin, mais que la France gagnera. Inch'Allah, Inch'Allah. Amen. Mashallah, Yassir Bey, vous pouvez nous dire un petit peu, ta marque-tireur, qu'on a ton milieu, qu'on a ton pointeur, qu'on a ton secteur. Ma marque-tireur, Herman, toi. Par contre, Michael, au milieu, on peut voilà. Et sinon, quoi. Sur les mains d'avant et l'avant-dernière, je veux dire, quelles étaient les erreurs que vous avez pu constater? On a fait des erreurs techniques. Là, on a tiré des boules qu'il ne fallait pas. On s'est lancé au bouchon à la dernière main. Il ne fallait peut-être pas le faire. Mais comme vous savez que la boule, c'est un jeu de plaisir et il y a de la chance aussi, mais Mashallah, vous avez vu que vous avez pas mal de supporters qui étaient autour de votre jeu. Vous êtes déçus. Mais bon, c'est ce n'est qu'un jeu. Inch'Allah, les prochaines fois, ce sera pour vous. Inch'Allah. Et sinon, qu'en pensez-vous des autres équipes qui sont venues de Madagascar et de La Réunion, qui jouent actuellement? Les inarrêtables, en ce moment, à mes yeux, c'est Tekoto et Massa. L'équipe de Madagascar. Deux équipes de Madagascar. Ils sont vraiment au top de leur forme. Voilà. Après, on ne sait pas, il peut y avoir des surprises. Hein. Il y a beaucoup de belles équipes aussi. Et sinon, pour la France, on a l'équipe à Sheikh, l'équipe à Arif, qui sont aussi pas mal. Naïm Bali est appelé au bureau. D'après vous, quelles sont vos attentes par rapport à l'équipe de France qui sont encore dans la compétition? Vous pensez qu'ils vont aller... À mes yeux, ce sont les deux équipes qui peuvent aller. L'équipe de Sheikh et l'équipe de Arif. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce... Une dernière question pour l'équipe de Yassir Bey. Je vais t'amener par sur deuxième chance de ramarrer par rapport à ce que vous avez joué. Comment vous aurez pu jouer ce match-là? Je vais t'amener deuxième chance pour les autres. Alors, franchement, on a joué du mieux qu'on pouvait. David. Juste peut-être ces erreurs techniques qu'on aurait voulu changer, mais voilà. Avec un peu plus d'expérience, Inch'Allah, un jour ça va marcher. Mais voilà. Franchement, on a joué quand on a pu et puis voilà. Il n'y a pas de deuxième chance ou quoi que ce soit. On a fait notre mieux, ils ont beaucoup mieux joué. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette petite interview. Je vous en prie. Et écoutez, Divine Nazin, t'as mis du réattaqué à Bodéaprakilari en France. Ils ont fait de leur maximum. Mais comme vous savez, le jeu de pétanque est un jeu de hasard aussi. Il n'y a pas de meilleur et c'est, on va dire, Mashallah, ils ont fait de leur mieux et on va essayer de vous donner la suite, vous montrer la suite par rapport aux événements. Merci beaucoup pour la prise. Alors,
Baïtaro. Baïtaro. Dos kitla wakat ya paganat ya aje a kota me bane u ite pe de ima me bane pega se sate sate se aje ki pai chi pai to me baki lagim tam setap ki jage a me baat kare chhe sakhe ne to aje ne tai chi Nici pe ei ce situație acolo. Ia cu igă de mea. Avea aia că am văzut, 32 zi. 32 mai era. Vigea unea pe plasa pe de era, vigea ora. Ei, un mea tonut de oani, un mea catoni, un mea de tipul ăla. Și un manotul. Cone te temer să ame? Echipul Enio. Siste, Iasin, Echip. O să avu vei mai. Echipul așa, tujul lor de meciul de nici trebuie să o gheghem ce-ați fere. Apoi sim de culoar de matrizal cu masa de încă de pot pe voi. Au mai mult de idei ca aici. De sunt echipa aici, sunt cu mai mare. Paristice, Unione Bosaghiți, Mato, o am avut ce. Ia be normal pa conosci tu amo lo ce vece ne pociale trando gli amate ce coso rat ne chance na wege da ci se rodi due da coso rat da non è interessato di gatti che ha da noi ancora ci ema dai ci ema sulla e da bo mocha no ci na da ma ci deve con mashallah ci se dopo va ci da 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 forte domenica ne molto ci mashallah e fa positivo ci ha i de Merci de Marie. Merci de la fille. Sanzé, Salam alaikum, Walter. Je suis pas derrière à Paris, mais DP2. Donc, je ne sais pas si tu es là. Tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là. 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 Diana, Diana de Prochet. Ok, merci beaucoup de Marie. Merci. D'affiche, d'affiche. Hey, Momin Bhai, yalla, namaz. Le stand de brochette va s'ouvrir dans 15 minutes. Préparez les porte-monnaies. Merci. S'il vous plaît, l'équipe Firoz est demandée à la table de toute urgence. Merci. Scorsi da mare? Oh sì, on deve terminare, on n'a pas terminé. Il dira che le sono presenze poi non c'è la neva. 32e provo c'è che... 32e, avant. Ok, ok, merci. تعال لازم يصير عايلة مكان ده؟
Attention, dans 5 minutes, début des 16e de finale. Dans ce retour de coup de sifflet final, coup de sifflet de l'arbitre, le parti devrait débuter. Dans 5 minutes. Tous les spectateurs qui sont debout sur le terrain. L'équipe Abbas Nissa est attendue au bureau. L'équipe Abbas Nissa est attendue au bureau pour le match. L'équipe Farad RMB, l'équipe Al-Firdi, l'équipe Massa, l'équipe Azad Manaka et l'équipe Hafid Zafar, l'équipe Amin Surafis et l'équipe Sanzaï qui sont actuellement en lice. On essaie de vous faire tenir informé le plus rapidement possible en évolution de la situation. L'ambiance est très bonne, les choses sont assez cordiales pour le moment, donc Alain Chutop pour l'instant le déroulé se passe plutôt comme prévu. Et Cheikh B, à propos de la consolante, ça se passe comment? Ils sont en train de jouer en même temps en ce moment? Oui, tout à fait. Actuellement, la consolante se joue également. Nous sommes au stade du 8e de finale. Donc les consolantes vont sûrement partir jusqu'en quart de finale aujourd'hui. Nous allons reprendre les parties en demi-finale à partir de demain afin de pouvoir jouer le concours principal, le concours secondaire en même temps. Ok, merci beaucoup Alec Baye. Après Bitcha Staff, c'est après antenne AP. C'était pour nous qu'un bétonne bolboli, c'est quelque chose de dur. Salam alaikum, t'as ma nom, t'as ma présentation. On est à mes yeux la porte des salutations à IDP. Salam alaikum, on est Frantima Boulis. Je suis co-président de Paris Air Club. Et donc, pour vous informer que jusqu'à ce jour, donc à J+1, J+2, l'après-midi, le chemin se passe comme prévu dans les délais.
Nous avons une très bonne ambiance, des équipes très compétitives. Il faut savoir qu'on a dépassé les 110 équipes. Et à l'heure actuelle, on est vraiment dans les temps, aussi bien dans les principales. Et on est dans les bons ordres. Inch'Allah, tout sera voté comme prévu pour demain soir, après la finale. Donc la prochaine étape sera quoi après le 1-16e, le 1-8e, ça va se jouer aujourd'hui même ou demain? Le 1-8e va se jouer aujourd'hui aussi, donc je vous prie d'écouter Crozer Radio pour connaître l'avancée en live. Inch'Allah, on fera un point et il est prévu qu'on analyse les matchs demain, Inch'Allah. Donc il y aura une petite interview de quelques joueurs, on va faire un débat. Donc Inch'Allah, j'espère que vous serez nombreux à suivre ce débat pour ce tournoi. Pour sa présence, sa disponibilité, et il faut savoir qu'il se donne beaucoup. Et Mashallah, Inch'Allah, j'espère que Salam et plein de doigts à eux pour continuer dans le projet. Ok, merci beaucoup. Merci. Caro sur place, tout le score ramena Bosserice, 12, 11, 13 score, et voilà, parce que un point maïdou se donne. Beden est motivé, Beden est équipe motivée, c'est quelqu'un qui est comme Agar Vadé. Mashallah, il y a l'équipe Kazim John Daya contre Diolache, comme des Jovan, Jovan entre Jovan Ramirez. Et bien, comme nos forces d'école, il y a cette année. Après Loïc et Ponce, Loïc Baïdaïa. Et Machallah, bas de tireur. Et je continue de rire. Et c'est l'humain, MDP, c'est l'humain, c'est le Chayab. Tu as un petit après Riyad fait une live, tu as vu les choses, tu as tenu un jeu. Après Jarak, avant c'était un peu plus de ce qu'on continue comme Naoma. Comment ça s'est passé le jeu? On a souffert. C'était dur pour passer en 16e. On a souffert. Les deux équipes ont très bien joué. 13-12. C'était la réunion contre la réunion, mais franchement les deux côtés ont bien joué. Il y avait une main que eux pouvaient terminer, mais bon, on a très bien joué aussi. On a tapé la boule et
par chance on est resté, donc ils n'ont pas pu terminer. Et nous aussi on avait deux fois la gagne, mais voilà, là, on n'avait pas de chance. Le meilleur gagne, touché, gagné, on n'avait pas de chance et du coup ben voilà, après bon il y a un gagnant et un perdant, hein, donc du coup là. Le score final c'était 13-12. Ouais. Voilà, c'était 13, bien serré, 13, ça, 12, ouais. Ça a duré beaucoup de temps aussi. On était mené aussi, il faut le dire, on était mené. On était mené, 7-12. 7-12, on était mené, puis après ça, voilà, on a fait le maximum, quoi. Donc du coup, voilà, ben, 12-12, et après, demain pour terminer, on n'a pas terminé. Voilà, cette fois-ci, c'était la bonne. Allez prendre un peu de vitamine, merci et puis beaucoup. Là, vous avez le 16e à jouer, là, dans 10 minutes. Bien sûr. Merci, okay, merci, merci, bonne chance. Merci. Allez, on bonne chance. Quatre fois prochain.